Le taser, c'est nécessaire? C'est nécessaire le taser? Le taser, c'était nécessaire? Monsieur, vous n'avez pas de brassard, on ne sait pas qui vous êtes. Vous êtes policier? Ok. Il est policier ce monsieur? Non, non, c'est un méchant qui se promène tout seul. Ah ouais, mais il n'a pas de brassard, il est cagoulé. Ah, il a le droit de errer dans la rue comme tout le monde. Il a le droit d'être cagoulé dans la rue? Comment? Il me dit qu'il est pas policier, mais il a une cagoule intégrale et il a une matraque. C'est pas vu de cagoule. Alors regardez, il a une cagoule. C'est encore un espion du gouvernement. Voilà, c'est en tout cas, il est parmi vous, hein. Et ils sont deux d'ailleurs. Non, c'est lui qui fait là. Par contre, le taser, c'était peut-être pas nécessaire de le sortir. Ah là là, vous êtes d'une mauvaise foi incroyable, monsieur. Il est parti là. Tenez, il y en a un autre là. Allez de l'autre côté, monsieur. Les véhicules vont rentrer juste sur le trottoir par mesure de sécurité. Merci. Allez. Par contre, mettez Rio, s'il vous plaît, par mesure de sécurité. Allez-y, monsieur. Ouais, mais je suis à traverser la route. Ça fait 30 ans que j'ai pas besoin de vous pour traverser. Donc voilà, on est devant la maison des peuples, donc au 2 bis rue Bagnolet, où la police que vous voyez, la police sans Rio, une police cagoulée. Non mais j'ai pas besoin de vous pour ma sécurité, sinon ça se ferait longtemps que j'aurais besoin de vous. On sait très bien, on n'a pas besoin de la police pour notre sécurité. Hein, parce que les 15 morts par an dans les quartiers populaires. Non pas vous, mais vous êtes d'une mauvaise foi incroyable parce qu'il y a des tasers. Il y a des gens là-bas en veste North Face. Ah mais j'ai le droit de montrer du doigt, hein, c'est pas interdit de montrer du doigt. Je vous ai dit que c'était interdit. Non mais je vous montre là-bas, regardez. Regardez le monsieur, il est cagoule intégrale, veste North Face, il a pas de brassard et il est parmi les policiers. On se demande juste qui c'est. Ah je sais pas. Vous savez pas, donc ça vous dérange pas qu'il y ait. Ça vous dérange pas qu'il y ait des gens cagoulés. Vous êtes occupé avec moi, bah attendez, je vais aller lui demander. Voilà. Je vais lui demander. Excusez-moi monsieur, rebonjour. Qui sont les monsieur cagoulés sans brassard de police derrière vous s'il vous plaît? Ok, on ne répond pas. Bon. Allez vous mettre sur le côté plutôt. Excusez-moi monsieur, excuse-moi. Vous êtes policier ou vous bossez dans ma shelter? Pardon? Vous êtes policier ou vous travaillez dans ma shelter? Ma shelter, c'est quoi ça? Vous êtes policier? Non mais juste que là je comprends pas qui vous êtes en fait. Monsieur? Oui? On va discuter pendant 20 ans, votre caméra ça sert à rien. On va pas discuter. Je demande juste qui est le monsieur cagoulé monsieur, qui est derrière vous. Ici, on vous a dit que c'est pas possible. Ça fait 2 heures qu'on le dit. Ça sert à rien monsieur la caméra. Ça fait 2 fois que je le dis. Enfin ça sert à rien mais c'est pas illégal monsieur, en tout cas. Monsieur, en fait répondez juste à ma question. Qui est le monsieur cagoulé intégral en civil derrière vous? Pourquoi faire? À quoi ça sert? Bah j'ai besoin de savoir à quoi qui. Ça sert monsieur, touchez pas mon téléphone s'il vous plaît. Ne touchez pas mon téléphone s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit. Monsieur. Je demande qui est le monsieur qui a une cagoule intégrale et qui est derrière les rangs de la police. Je veux savoir si c'est la sécurité privée du Mama Shelter, je veux savoir si c'est un policier. Il y a juste une question. Donc voilà, nous sommes devant le Mama Shelter. Donc depuis hier soir, il y avait la Flèche d'Or qui est un lieu, une salle de concert qui est inoccupée depuis 2 ans, qui était occupée, qui était renommée la Maison des Peuples. Donc depuis tout à l'heure, on a eu l'annonce que la Maison des Peuples est évacuée. Donc regardez, voilà les gens qui sont dans les rangs de la police. Vest North Face, cagoule intégrale. Donc là, la méthode, cette méthode, elle marche pas, monsieur. Hein. Ah, ça marche pas. Ça marche pas parce que là, je filme ailleurs. Ah, donc voilà. Là, par contre, mettez votre RIO, monsieur, s'il vous plaît. Mettez votre RIO. Ne me tutoyez pas, par contre, on n'a pas été à l'école ensemble. Non, je vous ai pas tutoyé. Pas quand vous avez éteint votre caméra, je ne vous ai pas tutoyé, monsieur. Vous avez diffusé les images que vous voulez, bien sûr. Bah là, c'est du direct, de toute façon, donc il y a. Eh bah, c'est très bien. Voilà. Donc voilà. Donc je demande juste pourquoi, en fait, il y a. C'est un masque. Pardon ? Un masque pour l'embarque. Allez, hop, allez. Je suis journaliste, j'ai ma carte de presse.